Finir l'Assemblée générale de l'UFR, dites-nous brièvement de quoi a été question. Il a été question de la présentation des vœux à l'ensemble des militants de l'UFR ainsi qu'aux journalistes. Donc après cela, nous avons fait des présentations de nos acteurs. Après ces présentations, nous avons parlé de la restructuration du parti. Ce sont des trois points que nous avons. Oui, on vous a vu parler un peu de la jeunesse, notamment de rebooster un peu le moral des jeunes. Est-ce que vous pouvez venir un peu là-dessus? Et surtout, ça veut dire que les jeunes n'ont pas d'ambition aujourd'hui. J'ai dit que la situation que nous vivons dans le pays fait que cette ambiance de mauvaise gouvernance et de malformation a fait que même l'ambition a disparu de notre pays. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas ambitieux comme on le voudrait. Et regardez ce qui se fait dans notre pays. Tout ce qui se fait ici ne se fait pas comme pour montrer la fierté que nous avons. Et regardez un peu les routes, leurs tracés. Est-ce que cela montre une quelconque fierté, une quelconque ambition? Tout ce qui se fait comme édifice public dans le pays, rien ne montre une quelconque ambition de notre pays. La seule chose qu'on pourrait montrer un tout petit peu, c'est ce fameux palais du peuple qui a été construit dans les années 60. Mais en dehors de ce palais du peuple-là, qu'est-ce que vous avez dans votre pays qui suscitait un tout petit peu comme l'étranger que la Guinée a été le premier pays qui a été indépendant? Qu'est-ce qui peut montrer à l'étranger que, oui, la Guinée, c'est un pays qui a été indépendant, le premier de l'Afrique, dans la sous-région, le premier des pays francophones? Qu'est-ce qui montre ça? Est-ce que c'est l'aisance de la population? Non. Est-ce que ce sont des édifices que nous avons construits? Non. Est-ce que c'est la qualité de notre enseignement? Non. Est-ce que c'est la qualité de notre économie? Non. Est-ce que la formation que nous avons aujourd'hui dans notre pays reflète réellement les capacités que le peuple de Guinée a? Vous avez posé la question que j'ai dit que l'ambition même a quitté la jeunesse. L'ambition a quitté la jeunesse parce que ce qui se voit ici aujourd'hui, nous n'avons pas les jeunes réclamer quoi que ce soit. Les jeunes organisés en tant que tels pour se dire non, on en a marre de mensonges. On dit que nous sommes développés, que tout va bien. Est-ce que qu'est-ce qui va ici? Disons-nous la vérité. Qu'est-ce qui va ici? Est-ce qu'on voit des jeunes réclamer ça? Attention, hein? Il faudrait qu'on se dise la vérité. Si nous continuons comme ça,
ce sont les autres de la sous-région, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Maliens, qui viendront ici, c'est vrai, comme assistants. Et cela a commencé dans certains domaines. Il fut un moment ici, quand on allait dans les banques, et jusqu'ici, on ne voyait que les étrangers. Non, les expatriés, c'était les jeunes de la sous-région qui se sont formés, qui étaient là. Ce qu'on voyait. La Bissigui, le DGA, c'était un Ivoirien. À l'UBIA, le DG, c'était un Ivoirien. À la banque sahélienne, c'était un Sénégalais. Et ainsi de suite. C'est ça la réalité aujourd'hui de notre pays. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Voilà, on aura... Est-ce qu'on va continuer comme ça? On ne va pas continuer. Non, on ne va pas continuer. Il faudrait que la jeunesse se réveille. La jeunesse n'a qu'à se réveiller. C'est mal en tout. On a mal en tout dans ce pays. Ce mal en tout là dans ce pays ne peut pas continuer. Sinon, on va s'annihiler complètement. C'est vrai. On va à la destruction de notre pays. Devant nous, sous nos yeux, tout le monde, on dit, on ment ici. Que, ouais, on a à la télé, on montre, on a fait ceci, on a fait cela. Ce qu'on fait, ça se voit. Un adage dit chez nous qu'on ne crie pas dans la rue que le miel est doux. Si tu vois quelqu'un dire le miel est doux, achetez le miel, il est doux, c'est que c'est pas du miel. Honorable, vous êtes député et le plus souvent, les ministres passent devant vous chaque année pour la présentation de leur budget. Et le rôle du député, c'est aussi évaluer ce que les ministres viennent défendre devant vous. Est-ce que, d'une part, les députés ne sont pas aussi responsables de cette situation? Le député ne gère pas. Le député se prononce sur un projet de loi. Et je vais vous dire comment travaille l'Assemblée et comment les votes se forment. Il y a à l'Assemblée, il y a l'opposition et la mouvance présidentielle. Et dans notre Assemblée, c'est la mouvance présidentielle qui est majoritaire. Et le budget se vote à la majorité simple. Ce n'est pas à la majorité des deux tiers. C'est à la majorité simple. D'accord? Donc, c'est la mouvance présidentielle, même si nous critiquons. Nous critiquons le budget. Et le budget, avant que ça vienne à la plénière, c'est ce que vous voyez. Il y a d'abord le travail dans les commissions. Les ministères viennent dans les commissions. Nous critiquons le budget. On rectifie les points qui sont à rectifier. Ensuite, ça vient en intercommission où tous les députés viennent pour critiquer. Après, avant que ça vienne à la plénière. À la plénière, souvent, vous avez vu que quelquefois, nous avons voté contre le budget. C'est pas ça la question. Oui. Est-ce que vous avez eu cette possibilité, oui, les moyens pour aller, par exemple, évaluer les réalisations de ces ministres sur le terrain? Mais bien sûr, cela se fait. Est-ce que vous n'avez pas écouté souvent la commission de la santé de l'Assemblée passer dans les préfectures pour évaluer les réalisations? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Et puis la commission des ministres, c'est comme cela qu'on travaille. Nous avons souvent évalué ce qui se fait sur le terrain. Mais ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème est général, je pense. C'est une ambiance générale. Il faut le changement. C'est qu'il faut changer. C'est ce changement-là. C'est de cela dont je parle. Ce changement profond qu'il faudrait qu'on fasse dans le pays. Et non pas du saupoudrage que nous sommes en train de voir. Voilà, honorable, à l'occasion du Nouvel An, le chef de l'État s'était adressé à la nation. De fond, comment vous avez analysé le discours du président Condé? C'est le discours d'un président. Il a présenté ses vœux à la nation. Il a parlé de ses réalisations, ce qu'il a fait, et ses projets futurs. Moi, cela ne m'a
faire ni chaud ni froid. Parce que ce que je voulais entendre, je n'ai pas entendu ça. Comme quoi? Ce que je voulais voir, je n'ai pas vu ça. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, que si l'on vient dire que le miel est doux, c'est que ce n'est pas du miel. Le miel, lui, il est doux. Si on fait des réalisations réellement dans le pays, ces réalisations-là se voient. Moi, je n'ai pas vu encore une réalisation qui permette à nos populations de sortir de la pauvreté. C'est ça. Les vraies réalisations, ce sont celles qui permettent à une population de sortir de la pauvreté. Or, je ne vois pas que nous sommes engagés dans cette voie. Okay, honorable. Parce qu'on a laissé de côté l'agriculture et la santé, l'éducation, alors que c'est là que le vrai développement passe par là. Et les infrastructures, le vrai développement passe par là. Et nous nous sommes focalisés sur les mines. Tout le monde sait que les mines ne développent pas. Si les ressources minières qui sont dégagées ne sont pas orientées vers les secteurs socio-productifs, cela ne développera pas le pays. Ok, honorable, la grève des enseignants prend une autre tournure. Et désormais, on parle de radiation. Quel est votre point de vue? On ne peut pas radier, cela veut dire qu'on veut détruire l'enseignement dans le pays, c'est ça mon opinion. Je crois qu'il faut discuter avec les enseignants et rétablir dans leurs droits, pour ceux qui ont eu des problèmes, et éviter ce qu'on aille dans des excès, dans des extrêmes. Moi, j'ai une question. Le mandat des députés arrive à son terme. Vous êtes vous-même un député à l'Assemblée nationale. Et voilà, cette législature-là, elle va finir donc. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait une prolongation du mandat des députés? Ou alors, quelle est la stratégie qu'il faut pour qu'on puisse en finir avec ces problèmes, puisqu'on n'a pas encore une date pour les élections législatives? Voilà. La question, c'est que aujourd'hui, le mandat du député, qu'il s'achève, il y a deux cas de figure. Soit on arrête brutalement. Dans ce cas, nous tombons dans quoi? Nous tombons dans le cas où c'est le chef de l'État qui prend toutes les décisions qui reviennent à l'Assemblée nationale par voie réglementaire. Par ordonnance. C'est le président de la République va remplacer l'Assemblée nationale. Donc il va cumuler entre ses mains les deux pouvoirs. L'exécutif et le législatif. Et le pouvoir législatif. Où on laisse l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'une nouvelle Assemblée soit mise en place pour régler les affaires, pour voter, pour continuer à voter les lois indispensables. Je crois que nous avons ces deux cas de figure. Et vous êtes favorable? Oui. Je crois que ce qui se fera, c'est qu'on permettra à l'Assemblée de subsister jusqu'à l'élection d'une nouvelle Assemblée. Ce qui sera, je crois, sage. Une élection que beaucoup d'observateurs estiment que l'élection n'aura même pas lieu à date et que ce qui pourrait même empêcher la tenue de la présidentielle en 2020, donc ce qui obligera forcément le président Fakonde à prolonger son mandat. Un glissement, comme on dit. Vous ne craignez pas un glissement? Je crois qu'il n'y aura pas de glissement ici. Nous avons dit que 2020, c'est une date intangible. On n'ira pas au-delà, quelles que soient les conditions. On n'ira pas au-delà de 2020. Et puis les deux ne sont pas liés. Les législatives ne sont pas liées à la présidentielle. Ce sont deux élections complètement déconnectées. Il faut le savoir, il n'y aura pas de glissement possible. 2020, c'est 2020 pour la présidentielle et les législatives, bon, c'est dans quelques mois, je crois. Honorable, moi, j'aimerais juste avoir une précision, s'il vous plaît. J'aimerais juste avoir une précision. Si, par exemple, une élection n'est pas tenue en 2019 et que le Parlement actuel continue à fonctionner, ne seriez-vous pas dans l'illégalité de vos fonctions? Il n'y aura pas d'illégalité. À partir du moment où l'on prenne les dispositions appropriées pour que s'il y a prorogation, cette prorogation se fasse. Il y a une procédure. Il y a toute une procédure. C'est une fois que les choses sont faites comme cela, à l'impromptu, qu'il y a illégalité.
Mais une fois qu'on suit la procédure, qui sied en la matière, il n'y a pas d'illégalité. I want for la vida calle, que le mantenga.